Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Civilization 6 avec la Grande Colombie. Alors Gustave, où est-ce qu'on va pouvoir t'envoyer? Je peux t'envoyer ici, on va déplacer ce personnage, la petite Jeanne d'Arc. Alors là il y a un piquetier, le piquetier est assez puissant, la moitié de nos unités... Ouais, la plupart de nos unités sont des cavaleries, donc du coup il est avantagé par rapport à ça. On va venir ici. Donc là évidemment nous sommes toujours en guerre contre la petite Wilhelmine. On lui a pris Amsterdam, je me rappelle plus très bien. Est-ce que c'était facile, est-ce que c'était pas facile? Je ne sais plus. En tout cas, on va rapprocher nos mousquetaires ici. Eux au moins n'ont pas peur de cette unité. Hop, voilà. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un bonus de proximité assez élevé pour qu'on puisse, en fait, le buter sans trop de soucis. Allez, on va ramener toi. Ok, on va faire ça. Boum. Oh, punaise, il lui reste un tout petit peu de vie. Bah, vas-y, le cuirassé, fais-toi plaisir. Oh yeah. Jeanne d'Arc mène ses troupes dans une grande parade. Ok, c'est très bien. Alors le coursier ici, tu vas te rapprocher. Voilà, ça vire son personnage. Qu'est-ce qu'on a? Alors, donc ici, nous sommes au carrefour de plusieurs civilisations. Hein. Nous avons Cracovie ici à prendre. Nous avons Tokyo, Kyoto à prendre ici. Nous avons Ottawa là, et Saladin se cache sur une petite île. Donc du coup, c'est les 4 derniers qui nous manquent à notre collection de badges pour devenir le meilleur dresseur de... Attends, je crois que je suis pas dans le bon jeu là. Donc là, qu'est-ce que... vas-y, soigne-toi pendant que j'essaye de noyer cette honte. On va venir ici. On va attaquer avec lui. Nous avons 4... catapultes. On a 4 catapultes. On va faire 2-2. On va faire 2-2. Ok, toi tu peux venir ici et peut-être attaquer. Non? Ok. Bon bah c'est pas grave. Donc du coup on va séparer nos unités. Le japonais malheureusement pour lui, il a pas beaucoup de défense. 51 de défense dans sa capitale. Ouais, il a peut-être des chevaliers. Les chevaliers sont à 48. Donc du coup c'est ceux qui se rapprochent du plus de sa défense. Par contre, la délicieuse petite Edwige, j'allais dire Wickfried, elle a de meilleures défenses. Allez, tu vas venir ici, tu vas prendre ta promotion. Équipage expert. Toi, tu te soignes. L'arbalétrier. J'ai envie de le promouvoir, en fait, mais on n'a pas beaucoup d'or. Allez. Alors, le scientifique, tu peux venir nous aider à nous soigner. Allez, viens là. Voilà, comme ça il se soigne très bien. Certaines des unités ont haute vie, mais d'autres n'ont pas ça. Soigne-toi. Fortification. Mais je pense que lui, on va l'utiliser peut-être. On va peut-être l'utiliser. Alors, là nous avons un coursier. J'ai combien de coursiers? Là j'en ai 4 ici. Là j'en ai combien? Là j'en ai 1. Ouais. On va utiliser ce coursier-là. En fait, les coursiers avec déprédation vont permettre de piller les cases avant de capturer la ville. Ça, j'aimerais vraiment, vraiment en profiter. Par exemple, cette ville, elle a un lieu saint là, elle a une mine ici, ça va faire plein d'or et ça va faire plein de foie. Donc toi, tu vas venir ici, tu nous serviras de première ligne. Raphaël, tu passes ton tour. Le coursier, non. Tu prends très cher, donc non merci. Alors ici, tu vas mettre ça en place. Gustave, tu peux te déplacer. Voilà. C'est très bien, il se déplace super bien comme ça. On a fini notre tour. Okay. Là, ça va être les épisodes où on va faire genre 2 tours par épisode tellement il y a d'unités à déplacer. Quoi. Oula, vous êtes stupides et bêtes. Votre peuple doit savoir la vérité. Punaise. Ok. Bah, je vais venir, je vais te dégommer du coup. Hein. Ça se fait pas d'insulter les gens. Éruption méga colossale.
Punaise. Méga colossal. Ah oui, d'accord, ça a même touché la ville. Bah après tout, c'est méga colossal, oh. C'est pas pour les fillettes, cette éruption. Là, nous avons... Ouh, Galilée. Galilée, il va nous donner un petit boost, le petit coquin. Il va nous donner un petit boost. Là, t'as fini le marché, tu vas me faire un négociant. Là, t'as fini quoi, attends? T'as fini de réparer un truc. Punaise, ça prend beaucoup de tours. Fais-moi le moulin, au moins ça donne un de production. Donc là, nous avons Raphaël. Alors, ici, les bombardes, vous allez attaquer. Oh, il avait une promotion. Ah, zut. Je lui ai pas donné sa promotion et du coup, il a pas gagné d'XP. Faudrait peut-être éviter d'aller trop, trop vite. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons des unités qui sont là. Alors, toi, t'as une promotion. Combat urbain, espace... Non, je vais lui donner formation en tortue. Formation en tortue, c'est très bien. Ça va le rendre bien plus tanky et c'est ce que je demande. Tac. Cuirassé. On pourra prendre la ville. Qui est le plus proche de prendre un niveau? Je crois que c'est le mousquetaire. Ouais, mais il va pas prendre la ville, c'est ça le problème. Nous avons un chevalier ici, que je peux promouvoir. Allez, vas-y, on attaque la ville. Punaise, regardez le chemin qu'il a pris. C'est la faute à lui. Bah vas-y, il y a le cuirassé. Montre-lui comment est-ce qu'on fait pour capturer des... Voilà, 16 d'XP. On annexe la ville. Et on répare le monument. Titre de gouverneur, on va pas en mettre un tout de suite. Toi, tu peux venir ici nous mettre une hacienda. Alors le devin, tu peux me faire une catastrophe naturelle, s'il te plaît? Attends, mais c'est quoi ce truc? Il a mis le feu... Il a fertilisé une case en mettant le feu à la forêt. Ok, je me demande s'il y a plusieurs types de catastrophes naturelles. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu passes ton tour. Toi, tu te soignes. Non, non, tu vas venir ici. Les mousquetaires sont très très bien. Je pense que j'ai assez vendu de leur mérite comme ça. Ils sont juste trop bien. Alors toi, je vais te promouvoir en cuirassé. Ouais, on va faire ça. Tu vas faire une très très bonne unité en première ligne. Alors Saladin vient nous espionner. Ce que je veux faire, c'est préparer une armée prête à prendre Saladin. J'aimerais bien qu'on se divise pour faire ça de manière efficace et rapide surtout. Rapide, c'est le mot. Ça sert à rien de traîner, de faire traîner le jeu pendant 300 tours. Si on peut gagner vite, autant le faire. Toi, tu vas venir ici, ça nous permettra de nous soigner. Alors, Jeanne d'Arc, tu vas venir là. Oh, Antonio! Allez, vas-y, Antonio. Regardons un peu ce qui se fait dans nos autres villes. Ici, on fait des quadrièmes, donc c'est très très bien. On fait des bâtisseurs ici. Ouais, sans doute parce que j'ai pas d'idée. On fait des gurdwaras ici. Alors, celle-là, je vais changer ça. Oula! Ah, d'accord. Punaise, je pensais que c'était un autre. Donc là, le feu de forêt se répand. C'est génial. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Donc du coup, ici, je disais que j'allais faire... est-ce que t'es assez ici? On va faire du coup... Des quadrirem. Eh oui, parce que c'est ça le nom. On va mettre toi. Alors, on va voir jusqu'où est-ce qu'on va progresser. Donc là, nous sommes à l'imprimerie. On peut débloquer peut-être. Allez, vas-y Galilée, montre-nous toute ta science. Imprimerie débloquée. Oh yeah. L'anérode débloqué. Ça, c'est très bien. Ça, c'est génial. Alors ici, qu'est-ce que tu peux faire à la capitale? Tu peux faire une école militaire. Fais-moi donc une école militaire. Alors, 11 de population. J'aimerais mettre des haciendas. Mais je préférerais mettre des fermes pour la nourriture. On n'a pas beaucoup de nourriture ici. Si je fais une ferme ici, celle-là va être boostée. On va voir quelles caisses t'appartiennent. Nous sommes à 14 d'habitation. Ouais. Autant faire ça parce que c'est le même nombre de tours. Et on devrait choper
petit peu plus d'habitations. Alors ici moulin. Alors musée archéologique, musée d'art, il faut essayer de faire à chaque fois les deux. On va faire le musée archéologique en premier. Parce que au moins lui, il n'est pas sur un cul-de-sac. On va ouvrir un petit peu l'arbre des dogmes et regarder tout ça. Donc en fait, le musée d'art nous débloque opéra et ballet, qui est une bonne, un bon, ouais, un dogme pas mal si on veut faire le théâtre Bolchoï. Mais c'est surtout pour les deux émissaires que je ferai ça. Même dans une victoire culturelle, le théâtre Bolchoï prend beaucoup de production. Par contre, si vous faites le musée archéologique, vous allez avoir accès au parc aquatique, ça c'est génial. Et encore plus loin, vous allez avoir conservation, le meilleur des dogmes. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut prendre? Rainurage. Alors, voile carrée, on va pas y aller tout de suite. Si je ne veux pas faire voile carrée, c'est parce que je ne veux pas débloquer les frégates. Les frégates sont les évolutions des quadrirèmes. Donc du coup, j'ai pas envie d'avoir ces unités-là. Sinon, c'est elles que je vais produire. Donc là, on va laisser quadrirèmes. On peut aller vers les banques, ça peut nous faire un peu plus de thunes. Ici, tu vas venir là, tu vas ramasser le marais, on vérifie que ça appartient à cette ville. Ça appartient à cette ville, donc on ramasse. En ramassant le marais, ça nous donne de la nourriture, donc du coup, le jeu de loyauté va être moindre en fait. Ok. En parlant de moindre, on va upgrade nos unités. Je sais pas quel est le lien, mais c'est pas très grave. Donc on va upgrade nos coursiers. Nos coursiers. Donc toi par exemple, tu vas prendre une promotion. Boum. Oh yeah. Qui d'autre que la Grande Colombie serait capable de créer un lanero? Et qui pourrait y résister? Allez, donc là du coup, on va pas avoir assez d'or, je pense. Il faut regarder ceux qui ont des prédations. Ok, toi déjà voilà, on parle plus de toi. Toi, tu vas venir ici. Alors, on va diviser nos unités, comme je disais. On va essayer de les diviser intelligemment. Regardons un petit peu les choses. Regardons un peu. Donc, toi et toi, vous venez de prendre des promotions. Est-ce que je pourrais buter cette unité en un coup? Non. Non. Donc là, il y a deux lanéros. En fait, les lanéros, c'est pour des prédations. J'aimerais piller toutes les cases comme il faut. Et ici, c'est pas trop dangereux. Là, ça va être dangereux, en fait. Là, ça va être dangereux. Donc du coup, j'aimerais avoir des puissantes unités comme les mousquetaires, qui puissent prendre les dégâts. Et puis les autres font des dégâts. Alors toi, déprédation. Boum. Toi, t'es niveau combien? Déprédation. Ah, j'ai pas assez d'or. Ok, pas grave. Prochain tour. Tu restes en fortification, ça va aider un petit peu pour la loyauté. Ok, la bombarde ici. La bombarde ici, on va te promouvoir. Toi, t'as 5 de déplacement. Je sais pas où est-ce que tu pourras aller. Mais vous savez quoi? On va arrêter de tergiverser. On va déclarer la guerre à ce petit. À ce petit Ojo. Allez, Ojo, comment tu vas? Je vais bien, moi aussi, merci. Allez, tu peux le finir, lui? Nice. Oh yeah, notre cuirassé a vaincu un vétéran. Waouh! Qu'est-ce qu'il est magnifique ce cuirassé! Ok, la bombarde! Tu peux venir ici, tu peux attaquer. Alors, toi, est-ce que tu peux venir ici et attaquer? Magnifique! Magnifique, magnifique! Bon, on va attaquer la ville hein, directement. On a peur de rien, nous. On attaque la ville. Du coup, le général, tu viens sur eux. Et Jeanne d'Arc, tu viens sur eux. Magnifique! Donc là, il y a le scientifique, tu vas te soigner. Toi, tu vas te soigner un tour. Voilà, le scientifique vient dans la ville. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un bâtisseur. Et je vais pas faire de mine parce que là, le volcan s'est éteint. Il n'y a plus de fumée. Donc on pourrait faire un petit peu ces trucs, mais il va se réveiller à un moment ou à un autre. Là, on pourrait choper un de production. Non, on va faire un truc. On va donner ça à Caracas. Et je vais essayer de voir si je peux pas jouer plus vite parce que. Je vais donner la nourriture à Caracas, comme ça elle peut atteindre 8 de population et travailler encore plus de cases. Okay, là on voit qu'elle n'utilise pas toutes ses cases. D'ailleurs on va utiliser toi ici. Tu vas me faire une scierie, ça va donner de la production à la ville. Ça sera génial. Ouais, bah si jamais on a un bâtisseur, on va l'envoyer dans cette ville. Alors ici le devin,
Merci pour la fertilisation. La prochaine fois, j'utiliserai un engrais, ce sera plus efficace. Et moins dangereux surtout. Je regarde un peu ici et là avant de finir le tour. Ouais, bah, je pense que c'est. Ouais, c'est acceptable. Allez, tu passes par là. On va essayer de faire disparaître ça. Oh! Elle voudrait qu'on fasse la paix, la petite. 14 pièces d'or pendant 30 tours. Bah, il lui reste une ville vers le sud de Rotterdam. Bah, allez, vas-y, prends ta paix et puis passe à autre chose. Voilà. Saladin, non, merci. Ok, il a essayé d'attaquer ma petite bombarde. Y a pas de souci. La loyauté ici, franchement, ah, 5 tours, ça va. La prise ici de Rotterdam Faire ce nous a qui pas est mal aidé. contre la nature. Ok, nous avons ça. Oh, une cession. Oh, je peux demander de l'aide, mais j'ai zéro faveur diplomatique. Je pense que je vais pas avoir de faveur diplomatique avant un moment. Je pense, hein, je suis pas sûr. On va aller vers nationalisme, comme ça on peut fusionner des unités, ça sera vraiment bien. Alors, ici, tu peux. Oh, la cité interdite est disponible. Ça me donne envie, ça. Ça me donne envie. On va faire un bâtisseur. Ça me donne encore plus envie. Tu vas venir ici, toi. Tu vas me faire une scierie, ça va accélérer un petit peu ça. Toi, là, vas-y, fais-moi une hacienda. Ça va me donner plus d'habitation. Hacienda. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, nous avons fini la bibliothèque. Bah, tu vas me faire des quadrirèmes. La route commerciale qui est là, bah, tu vas aller vers Bactrie. Boum. C'est comme ça qu'on fait. Cette route, bah, je vais t'envoyer vers Caracas. Non, franchement, les noms des villes sont prononçables. Avec la Colombie, c'est très très bien. Ah, et c'est très plaisant. Non, vous allez rester ici, je vais pas vous promouvoir. Alors ici, tu vas faire une hacienda, ça va donner de l'habitation à la ville. Voilà, nice. Et en plus, ça booste celle-là qui est au milieu. C'est très bien. Là, tu peux faire une hacienda, parce que nourriture, or, tout ça, quoi. Ok. Donc là, nous avons des lanéraux. J'ai combien de lanéraux? J'ai que un lanéraux ici. Ouh là là, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Ok, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Je vais y venir ici. Coucou Edwige, t'es bien mignonne aujourd'hui. Regarde un peu. Boum, boum, boum. Voilà. Je sais pas du tout ce que t'as dit. J'ai pas lu. C'était trop long. Donc là, il va falloir faire un déplacement d'unité assez efficace. Dans le sens où j'ai pas envie de perdre mes unités. Donc on va pas commencer à faire n'importe quoi. On va commencer par toi. Ouh punaise, il peut les fumer. Oh punaise. Oh le canon de campagne, qu'est-ce que c'est bon ça. Ah c'est très bon ça. Ah c'est très très bon. Du coup, toi tu peux venir ici et l'attaquer. Ouh là, il y en a un autre derrière. Eh oui. Un arbalétrier peut en cacher un autre. Le lanéro qui est ici, il peut finir lui. Et je veux regarder mes unités. Alors toi, ah non, toi c'est le bonus de contournement x2 que tu as. Ce lanéro-ci, je vais le promouvoir. Je pense que je peux même le sortir de la ville, j'ai pas un souci de loyauté. J'aurais pu le laisser dans la ville, vous allez me dire. Vu ce que j'ai fait avec lui. D'accord. Donc là, bah, j'aimerais venir buter lui le plus vite possible. J'aimerais éviter de me faire. Ah, d'accord. Tac, tac, tac. Ok, toi, tu peux venir. Ok. Viens donc ici, du coup. Oh, mais punaise, mais elle n'a que des albalétriers. Punaise. Ok, on va attaquer lui, du coup. Regardez ça. Regardez ce magnifique. Oh punaise, hein, punaise, j'y restais pourtant. Donc Gustave Adolphe mène ses troupes vers une grande parade de victoire victorieuse. Est-ce que tu le one-shot? Oh, ça serait tellement bon. Celui-ci, tu le one-shot pas, on est d'accord. Ok.
Donc lui, tu vas prendre des coups, d'accord? C'est pas grave, c'est comme ça. Le mousquetaire qui est ici. Le lanero qui est là. Ok, le lanero peut venir buter lui. Magnifique. Magnifique. Punaise, quoi. C'est bon, ça. C'est bon, ce jeu. Vas-y, bute-moi, lui. Non, tu peux pas, vas-y, s'il te plaît. Merci. Notre mousquetaire a réussi à vaincre un vétéran. C'est génial. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vais mettre toi ici, comme ça, tout le monde en bénéficie, hein. Boum. Et boum. Voilà, Tilburg, tu vas mourir. Tu vas mourir très bientôt. Ici, du coup. Ici, on va déjà aller piller un peu les cases. T'as bien des prédations, toi. Ok, tu peux passer par là, tu peux venir ici, et tu peux commencer à piller. Boum. Boum. Oh, magnifique. Ah, oh, c'est bon ça. Ah, oh, c'est bon ça. Donc là, je peux attaquer la ville. On va faire ça. Allez, ça fait de l'XP. Du coup, toi, tu peux prendre une promotion barde, évidemment. Et tu peux finir lui. Le lanero qui est là, on va l'utiliser. On va l'utiliser de ce côté. Attendez. Bah, il y a une ville ici. Attends, ici, on va regarder le nom de la case. Shizuoka. Ok. Finesse. Non, on va le garder. On va le garder. On va le garder. On va venir piller ça. Ah zut, ça donne que de la santé. Ah, punaise. Quelle arnaque. Bah ici, il y a un truc. On peut piller la route commerciale. C'est toujours ça. 100 pièces d'or. Waouh. Bah avec ça, je vais pouvoir promouvoir tout le monde, en fait. Même cette unité pourrie. Vas-y. Non, elle est pas pourrie. Bonus de contournement x2, c'est vraiment bien. Surtout... Oh, punaise. Non, je vous promets, il y a des choses... Il y a des choses de fou qui vont se passer. Mais non, mais les Lanero gagnent un boost quand il y en a un autre à côté d'eux. Un boost de 4. Et le bonus de contournement ajouté à ça, mais c'est très très bien. C'est très. Oh punaise. On va éviter de baver. On va essayer de voir déjà ce qui se passe. Hein. Donc ici, j'ai un autre cuirassé. Ben, le cuirassé, tu vas venir ici. Et du coup, toi, tu rentres dans la ville pour te soigner tranquillement. En même temps, ça nous aide pour la loyauté. Ok, dès qu'on aura pillé cette case, on prend la ville. Et ça va soulager un peu Amsterdam. Combien de minutes? 22 minutes pour faire un tour dans le jeu. C'est chaud. Donc là, nous avons un second général. Mais le second général, je pense qu'on devrait l'envoyer ici. On a plus de zones à couvrir. On devrait faire ça. Quoique, je sais pas. Non, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Alors là, on cherche un peu la capitale, apparemment. Ok. Aleppo. Oh, la Casa de Contratación. Ben, je vais venir la prendre. Malheureusement, la Casa, c'est pas comme la Cité Interdite. La Cité Interdite, si tu la chopes, ça te donne une carte, une doctrine joker, donc un slot en plus. Peu importe qui la construit, si tu l'as, tu as le slot. Par contre, la Casa, ça te donne trois charges de gouverneur, donc du coup, c'est celui qui l'a construit qui en bénéficie. Mais évidemment, la Casa a des bénéfices en termes de loyauté pour les autres civilisations, mais pour les autres villes qui sont sur un autre continent, mais franchement, je connais même pas le truc, quoi. Donc, les villes où il y a un gouverneur voient leur production fois or augmenter de 15%, et il faut qu'ils soient sur un autre continent que celui de la capitale. Donc, ouais, c'est assez sympa. Alors, est-ce qu'on peut changer de carte ici? Je sais pas ce qu'on pourrait mettre. Non, je pense pas. Non, si jamais une idée me vient, peut-être. Pour l'instant, je pense qu'on est bien. Ok. Là, on va subir les attaques de la délicieuse Edwige. Eh oui, fais-moi mal. Ok. Les deux ici ont pris pas mal de coups. Il y a un chevalier. Oh, il a un chevalier. Mais ils ont pas des samouraïs d'ailleurs, le Japon. Je crois qu'ils ont des samouraïs. Hein. Qui remplacent les chevaliers, non? Ah, ça remplace les mousquetaires! Ouh, c'est bien ça. C'est bien. D'accord, je pensais que ça remplaçait les chevaliers. Donc là, Simon Bolivar, le méchant, a pris Rotterdam. Allez. J'espère qu'elle va passer cette urgence. Ah, elle a été rejetée. Ojo a dit non.
Ouais, non, j'en ai déjà assez sur la planche là. L'équipage de la quadrirème de la Grande Colombie a inventé les récifs marins à la suite de son premier voyage. A inventé les récifs J'ai marins, vu une banque punaise. avec pour slogan. C'est chaud ça. Alors, Volcaron, on attend toujours. On va aller vers Rainurage. Rainurage nous débloque des choses complètement délicieusement folles. Donc, du coup, on dit oui. Alors, ici, Souza, t'as fini quoi? T'as fini des fonds pour la plateforme commerciale. Oh, tu peux me faire un quartier, tu peux me faire une zone industrielle. Ah, il y a un plus 3 ici, c'est pas mal. Ah, j'avoue, un plus 3 comme ça, venu de nulle part. Attends, tu vises la nourriture et la production, comment tu fais ça? Alors ici, t'as fini une gourde Ouara, qu'est-ce que tu peux lancer? Tu peux lancer un négociant, un bâtisseur, une cité interdite, une école militaire. La zone industrielle. Plus 3... Moi, ouais, je sais pas. Fais-moi un bâtisseur. Non, fais-moi un négociant, c'est mieux. Ouais, je crois que j'ai la fièvre des bâtisseurs. Alors ici, t'as fini un atelier, tu vas faire une banque. Alors ici, toi, tu vas venir là. Ah, t'as plus de tour. Ok, bah toi, tu vas venir ici, du coup. On achètera cette case. Ouh, répare-moi donc cette bibliothèque délicieuse. Ici, cette ville n'a pas de production, pourtant c'est la capitale de Dia. On va faire un truc, on va faire ça. Formation. Ok, on va faire ça. Festival sur la place de théâtre, ça va nous donner un peu de culture. Les cadres IRM, bah, tu vas me faire... Attendez, j'ai vu un truc là. Ouh, le Holocée d'Alicarnasse est disponible. Oh, le Holocée est bon. Mais ce que je veux, c'est des cadres RM. Boum. Boum. Alors là, tu vas réparer le moulin. Vas-y, répare donc ton moulin. Attendez, j'ai perdu Amsterdam. Comment ça se fait? Bah, je l'ai perdu, hein. C'est comme ça. Du coup, il va falloir récupérer Amsterdam, ce qui va être problématique parce qu'on va... avoir encore un plus gros malus. Ok. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. On va essayer de voir si on peut. J'ai déplacé le mauvais, la mauvaise unité. Oh, il y a une colline sur le chemin, donc je peux pas y aller. Tu peux venir ici? Ok. Non, mais regardez ce que je suis obligé de faire, là. Mais vous êtes sérieux, quoi? Vous avez cru que j'avais le temps? J'ai pas le temps, moi. Voilà, et du coup maintenant ça va être plus problématique de la maintenir. Je vais la rendre au Pays-Bas bien sûr. Puis quoi encore? On va remettre Victor. Ok, non, pas Rotterdam, Amsterdam. Voilà, moins 13. Et je vais donner une promotion à Victor. Ça nous aidera à maintenir un peu mieux la ville. On va lui donner chef de garnison, loyauté plus 4 pour les villes aux alentours. Non, ouais, j'ai pas du tout fait gaffe au nombre de tours. Donc du coup ici on va continuer à piller tranquillement. Voilà, on a pillé les 4 trucs. Toi tu vas te faire un peu d'XP avec ça. Toi tu peux venir presque le tuer. Du coup toi tu vas prendre la ville, ça sera mieux parce que j'ai pas... On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais j'ai pas cliqué? Ok. Allez! On pourrait la rendre aux Pays-Bas. Punaise, regardez, si on rend toutes ces villes, on va gagner 100 faveurs diplomatiques, qu'on va perdre en 5 tours. Je suis pas dans le business de rendre les villes. Donc là, on va mettre un personnage. Allez, on va recruter Reyna, parce que j'aime bien Reyna. On va la mettre à Eindhoven. Donc là, avec Eindhoven, Amsterdam va voir un plus grand truc. Donc du coup, ici, on va essayer. On va essayer. On ne peut qu'essayer. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de fermes ici, donc on va pas pouvoir se soigner comme on le voudrait. Par contre, toi, tu peux venir ici, mais ça servira à rien. Tu peux venir ici et one-shot celui-là. Oh, punaise. Non, les canons de campagne. Oh, punaise, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je recherche un petit peu mon général. Ok. Est-ce que je peux attaquer la ville? Non, je vais pas faire cette bêtise. Tu peux par contre piller cette route. Le Lanero qui est ici... Ok, toi tu peux prendre une promotion.
Tu vas prendre Bard. Mais en fait, il y a un piquetier qui nous attaque là. Le Lanero qui est ici. Toi, tu peux aller le soutenir un peu. Donc regardez ça, ils ont une puissance plus 4 parce qu'ils sont adjacents. C'est très très bien. En plus du bonus de contournement. Non, cette unité, c'est n'importe quoi. Alors toi, si tu l'attaques, tu vas venir ici. Tu peux te faire attaquer par deux personnes, c'est pas bon. Magnifique. Magnifique, magnifique. Tu peux venir ici. On va piller cette zone industrielle, ça va nous donner de la science. Voilà, vers Rainurage, tu passes ton tour. On voit qu'il y a deux piquetiers ici. Si les deux sortent pour attaquer cette unité, je suis fichu. Aussi simple que ça. Ouh, mais j'ai encore plus de Lanero. J'ai combien? J'en ai 2, 3. Ici, il n'y en a qu'un seul ou quoi? Non, il y en a deux, d'accord. Ça va. Ce que je pourrais faire, c'est mettre toi ici. Non, je vais le mettre là. Toi, tu peux pas aller. Bah, tu vas venir ici, du coup. Ok. J'aurais besoin d'une d'un petit truc. On passe notre tour. Le mousquetaire, tu passes ton tour. Alors, ici, bah, tu vas venir dans la ville. Oh, punaise, pourquoi t'es... C'est à cause de lui, en fait, pour éviter la zone de pression. Ok, deux tours aussi, punaise. Alors, Jeanne d'Arc, t'étais ici ou t'étais là? Non, je crois qu'elle était ici. Bah, viens donc ici, comme ça, lui, il va venir sur Jeanne d'Arc, et il perdra, du coup, son tour. Alors, toi, tu attaques cette unité. Ah, dommage, j'ai cru que t'allais pouvoir la finir. Viens donc ici me mettre une ferme. Alors ici, on va faire une route vers Maracaibo. On va faire une route vers Bogota. 13 tours pour toi, c'est très bien. Toi, tu peux pas encore aller là. Hacienda. Cadrerem. Ici, bah vas-y. Ouh, on a découvert quelqu'un. Cardiff. Qu'est-ce que tu me donnes, Cardiff? Électricité plus 2 pour chaque bâtiment du port. Okay. On finit notre tour. Donc là, vous avez vu, les deux sont sortis. Les deux sont sortis, mais il a tenu le coup. Je suis très fier de lui. Très très fier de lui. Perte de loyauté. Amsterdam, Demi. Gouverneur, Demi. Ouais. Ok, c'est parce que j'avais perdu la ville. Ok. Ah, quelqu'un a obtenu des informations. On a un espion quand même. Hein. Ok, donc toi tu pourrais piller la case, mais ça te servira à rien. Tu vas revenir sur notre territoire. Ok, là nous avons 16 tours. Ça s'est réglé le problème. Tu vas revenir ici et tu vas te soigner. Tu vas même rentrer dans la ville, ce sera mieux, parce que j'ai pas envie de te perdre. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est déjà utiliser ce grand général. On va le mettre ici. Ok, en le mettant là, et je vais pas mettre d'unité sur lui, en tout cas. Je prévois pas ça. Ok. Voilà, on utilise les mousquetaires contre eux, parce qu'ils sont un petit peu fumés. On va utiliser ici les bombardes. Punaise, 35 minutes déjà, quoi. Ok, il n'y a plus de rempart dans la ville. Donc là, je pourrais capturer la ville tout de suite. Oh, le Lanero la prend, mais très facilement. Ok. Tu avances d'une case, tu vas fumer cette... Punaise. Mais non, mais c'est quoi ce one-shot que je me tape à chaque fois? C'est trop bien. Promotion. Oh, punaise. Mais non, mais en fait, il est dans l'arbre du côté gauche, en fait. Buter des unités. Ok, toi, si tu prends la ville, tu peux monter le level, peut-être. Ok, tu peux pas prendre la ville, d'accord. Alors, et ton pote ici, il peut prendre la ville ou... Ah, lui, il sera niveau... supérieur.
Ben rien qu'en attaquant lui, il sera niveau sup, donc. Allez, vas-y. Hein. Tu vas pas le finir, mais au moins. Ok, je peux l'attaquer lui. D'accord, ça va, on va utiliser ce Lanero. En fait, je voulais voir quelle unité est-ce qui m'a resté pour pouvoir prendre la ville. Donc, Tilburg. Tilburg est à nous. 5 tours avant qu'on perde la loyauté. Ok, avant qu'on perde la ville. Donc là, on peut faire quoi? On peut faire un négociant, on peut faire une merveille. Quelle merveille sera intéressante? La cité interdite, évidemment. La cité interdite, ouais, mais. J'aimerais bien faire celle-là, la Kilwa. Kilwa Kisiwani. Elle est très très bien. Au niveau des émissaires, c'est vraiment la meilleure. Non, on peut faire ça. 21 tours, c'est quand même long. Allez. Non, ça va me coûter de l'or. Non, merci. Non. Dès que ça touche à mon or, non, non, non. Bah, fais-moi un négociant. Fais-moi un négociant. Ici, il y a un bâtisseur, il va nous produire de l'or. Voilà, boum. Ça fait de l'or. Et je pense que je vais arrêter l'épisode là. Je vais pas continuer. Sinon, ça va me prendre trop de temps. Ouais, il faudrait. Allez, viens donc là. Ici, tu fais ça. Non, j'aimerais éviter de faire un épisode trop long. Tu peux réparer le grenier. Répare-moi donc ça. Ouais, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, donc. Bah, cette guerre contre Edwige et Ojo commence très très bien. Je leur ai pris une ville assez facilement. Je pense que la guerre va aller assez vite. Avec tous les bonus qu'on a, les unités qui sont bien puissantes. On devrait leur raser dessus sans trop de soucis. Donc là, ben, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Mémoria. Allez, salut!